Faites sortir vos femmes, faites sortir vos femmes, ça veut dire. C'est ça notre devise de ce jour. Faites sortir vos femmes. Les femmes doivent sortir, aller faire le sport. Oui, les femmes ne restent plus à la maison, tourner le couscous pour les messieurs pour qu'ils préparent. Après, ils vont vous dire. Oh, après, on dit la nourriture agressive et voilà. Tout. Quand tu te regardes là, tu penses que tu peux faire 5 coups? Tu peux? Je saute mon temps. Monsieur le Noir, alias le Noir. Bonjour la famille. Aujourd'hui, on commence avec un petit vlog en couple. Et monsieur vous dit en fait. Les gars, aujourd'hui, c'est une journée spéciale sport. Donc j'ai décidé aujourd'hui de mener Madame le Noir à la salle de sport avec moi. Vous voyez, les gars, faisons sortir nos femmes. Vous voyez, faisons sortir nos femmes. Faisons les perdre cette petite boule de ventre là qui les stresse chaque jour. Elles n'ont pas la force. Mais aussi, bon, j'ai pas dit qu'elle a le ventre, mais aussi, vous savez, les femmes sont souvent trop stressées quand un homme, je sais pas, même sans le savoir, il dit, mais tu es là avec ton gros ventre, tu vois. Bon, parfois, il le dit même dans la rigolade, tu vois un peu, mais ça affecte la femme, vous voyez, ça l'affecte surtout pour une femme qui a déjà eu à accoucher, à enfanter. Elle se sent un peu comme si elle passait plus le marché, qu'elle soit genre, elle ne se sent plus désirée. Donc, les gars, amenons nos femmes à la salle de sport. J'ai décidé aujourd'hui de t'amener Madame Noir à la salle de sport pour qu'elle essaie un peu. Monsieur Noir m'amène aujourd'hui particulièrement pour qu'on puisse faire notre routine sportive en couple. Et question de vous montrer et de vous motiver aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ce complexe-là en couple, parce que le mari peut-être dit que la femme a un gros ventre et tout. Au lieu plutôt d'encourager sa femme à faire du sport, bien l'amener chaque fois à faire du sport, ou bien faire un programme, un planning, de sorte que par mois ou bien par semaine, il puisse aller en salle une à deux fois, il préfère insulter sa femme comme ça. C'est pas bon. Donc la famille, à titre de rappel, monsieur Noir et moi, nous allons en fait vous montrer notre routine sportive. Tout à fait. Pour vous motiver, hein, pour vous motiver, le sport est d'abord bien pour la santé et ça permet d'abord de rééquilibrer tous nos organes, tout en fait. Donc, les gars, amenez vos femmes dehors. Amenez vos femmes dehors. Faites sortir vos femmes. Amenez vos femmes dehors. Si je suis en train d'amener ma part de femmes comme ça dehors, j'amène ma part de femmes dehors, elle n'a pas travaillé le corps. Donc les gars, amenez vos femmes dehors et cessez de regarder les femmes des autres qui amènent leurs femmes dehors. Vous voyez? Voilà. Donc, je crois que. Dans la famille, on vous amène avec nous. À tout à l'heure. Coucou la team, nous sommes déjà presque arrivés au McFit. Dites-nous déjà dans les commentaires la team, dans quel fitness studio vous êtes abonné. Nous sommes à McFit, comme vous voyez, nous sommes arrivés McFit. Et oui, je sais qu'il y a le McFit, il y a encore lequel là. Fitness. Bon, bref, c'est les deux là que moi je connais. Hein. Si vous connaissez encore d'autres, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires, s'il vous plaît. Et de dire à peu près combien est-ce que peut-être vous payez par mois. Hein. Parce que moi, nous, notre abonnement, on paye, je pense, 25 euros par mois. Et c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc, moi, la nuit là, si tu sens un peu que tu as envie de faire ton sport là-haut, tu viens seulement faire. Il n'y a pas de raison qu'à telle heure, quand il veut partir, quand je veux partir faire sport. La famille, nous venons d'arriver au McFit. Et ouais, déjà dites-moi à peu près hein, quel abonnement est-ce que vous prenez pour le sport. Nous prenons l'abonnement chez McFit à 25 euros à peu près chaque mois. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ouvrent 24 sur 24, donc 7 jours sur 7. Donc il n'y a pas de raison à ce que quelqu'un m'a dit que non, à journée je travaille trop, quand je rentre, le McFit est fermé et tout. Non,
Non, pas, de, pas d'excuses. Si tu veux faire ton sport, trouve juste ta motivation. Et on espère qu'à travers cette vidéo, vous allez trouver votre motivation pour faire votre sport en couple. Ou bien même pour ceux qui ne sont pas en couple, vous pouvez aussi faire votre sport. Le sport est bien pour la santé. Ah hein? Oui. Seulement. Ah oui, oui. Bon, coupe la famille, coupe la team noire, on est arrivé comme ça, on va vite. Donc, on va commencer à en position, accueillir le choc. Accueillir le choc, ça va péter. Aïe, fumbat. C'est toi ce que tu veux. Je viens de ranger mon sac et mon blouson. Je pars maintenant revoir Monsieur Lenoir pour qu'on puisse ensemble faire les exercices. Restez ce petit. Ça, c'est... Courage, madame Noir, courage. À bien la rousse. Bon, la famille, ici là maintenant, on va s'en va travailler les gens. Vous voyez, Thomas, il y a une machine qui est dédiée à ça. Donc, madame Noir, allez, je vais prendre la machine. Ça vient de cette machine. C'est cette machine ici. Vous voyez. Donc, ici est numéroté en fait, vous voyez, c'est numéroté le nombre de kilos en fait, quand vous asseyez. D'accord. Donc, je vous présente un peu comment ça se passe. Donc on se place là, ce truc-ci, ça, on doit devoir mettre ça en fonction du nombre de kilos qu'on veut porter. Moi je décide de porter 60 kilos, donc je mets là et puis maintenant je dois charger. L'objectif c'est que lorsqu'il pousse, il ne va pas faire que ça. Ouais, ça ne va pas toucher. Ouais. Et c'est comme ça que je dois travailler. Ça travaille très bien les jambes. Vas-y. Ça va faire bien. C'est bon? Ça fait mal. Et ce qui est bizarre souvent, c'est que je ne transpire pas. Je suis quelqu'un qui transpire difficilement. Ah bon? Ouais, même si je trouve qu'on manque, en tout cas, ma science, il faut vraiment du temps.
Ça fait mal.
vraiment en quelque chose. C'est pas tout le temps que c'est quand tu te regardes là, tu penses que tu peux faire 5 coups? Tu peux? Je coupe sur le montage. Non, tu peux? Je coupe la partie sur pourquoi montage. Pourquoi? Tu es venu de ça? C'est pas ici que tu as venu faire les échauffements du lit. C'est un peu ici que tu vas venir faire les échauffements du lit, pardon de ça. Ah pourquoi? Mais ça va, tu peux le... Coucou la famille, pour tous ceux qui aiment vraiment nos vidéos et qui adorent aussi ce qu'on partage comme au quotidien, n'hésitez pas de vous abonner, de mettre les pouces bleus pour ceux qui aiment bien les vlogs sport comme ça là et de motivation, mettez les likes, commentez, likez et dites nous en commentaire ce qui vous a le plus marqué dans cette vidéo.
Donc on espère que via cette vidéo, vous allez recevoir la positive attitude du genre, une bonne motivation pour pouvoir vous booster à aller faire le sport. J'espère bien pour la santé. Tous les hommes là qui ont les femmes à la maison, amenez vos femmes avec vous faire le sport. C'est très important. Quand le couple là, vous tous devez tout faire ensemble. Voilà. Tout faire ensemble. Effectivement. Les hommes là, faites ce type de femme. Ouais. Monsieur, moi, mon cher, pour faire du sport et je me sens épanouie en fait. Tout, donc, en fait, on partage tout ensemble, ça crée encore l'amour, la complicité là, dans le couple. Faites comme nous, prenez l'exemple. Partez, tous les hommes qui vont passer dans cette vidéo, c'est là. Vous avez vos femmes à la maison, faites-les sortir pour aller faire du sport avec elles. Hein? Dans la famille, on se prend à tout à l'heure. On vient de finir notre séance de sport, on espère que ça vous a plu. Bon bref, voilà, tout à l'heure. Bon, la team noire, on a fini de faire sport, on est rentré à la maison. Et déjà, avant de rentrer, nous tenons vraiment à dire quelque chose. Vous voyez, je ne finis pas plutôt quand on parle. Non, c'est bien. Donc, la team, déjà, avant de rentrer, il est pour nous très important de vous faire part de quelque chose. Les gars, faites sortir vos femmes. Faites sortir vos femmes. Parce que cette petite là que nous faisons à nos femmes chaque jour, que vous avez chaque ventre, là, ça peut vraiment leur aider. Et ça fait un peu sauter qu'elle se sent un peu plus difficile. Les gars, cherchez à entreprendre quelque chose avec madame, avec vos femmes. Faites sortir vos femmes, vous emmenez dans la salle de sport. Donnez-leur ces formes dont elles rêvent. Hein? Et cessez de regarder les formes des femmes, des gens qui emmènent leurs femmes dehors. Oui, parce que je sors pour amener madame le mois dehors comme ça, là, en salle de sport. C'est pas pour que quelqu'un, c'est pas pour qu'elle marche là, quelqu'un que waouh. En tout cas, maintenant ils ont compris. Donc, que chacun façonne pour lui. Oui, chacun prend pour lui, façonne. Donc, je suis en train de façonner ma part pour ça. Donc, ne lancez pas les yeux sur ma part. Ok, bon entendeur. Salut. Et la famille, vous voyez? Comme la femme passe le temps à préparer pour vous là, pour vous entretenir, vous les hommes là et tout. Ça c'est aussi un moyen de remerciement. Vous amenez madame, elle n'a pas fait son sport. Parce que le corps de la femme change en fait. Ça dépend parfois avec l'accouchement, parfois à cause du stress et tout, elle prend du poids. Et maintenant, les filles ont pardon. Arrêtez ça et tout pour dire que madame, tu as plus de poids. Tu as ton ventre est donné un mélange, ouais, bizarre. C'est pas bien. Pas du tout. C'est pas bien. Amenez vos femmes en salle de sport. Ils ont compris, façonnez vos femmes à votre goût. Ne dites pas que non, ma femme elle me plaît plus à la maison, c'est l'autre là que moi j'aime. Avant de vouloir aimer l'autre là, tu sais que son gars fait comment? Hein, pour qu'elle soit comme tu es là à ton goût là, façon ta propre femme. Hein, la famille? Donc on vient en paix. Mettez pas les organes, mais ce qu'on dit c'est vrai. Et c'est vraiment sérieux. Faites sortir vos femmes, ça veut dire. C'est ça notre devise de ce jour. Faites sortir vos femmes. Les femmes doivent sortir, aller faire du sport. Oui, les femmes ne restent plus à la maison, tourner le couscous pour les messieurs pour qu'ils préparent. Après, ils vont vous dire. Oh, tu as une nourriture agressive et voilà. Tout. Prenez aussi soin de vous. Madame, je vais arrêter parce que je veux que je mette ça. Je vais arranger, etc. Voilà. De toute façon, c'est ça. C'est juste que tu as plus de temps pour perfectionner. Ok, ma famille, on fait comme ça. À plus.